c'est qu'il ne suffit pas de dire « je n'évacue pas parce que les écoles, les machins, tout ça, hein, parce que c'est pas bien, les rangs, etc. » Ça, je n'y crois pas une seconde. Si je n'évacue pas, dit le préfet, alors je fais un truc pour que le campement soit normal, soit correct. On ne peut pas dire « j'évacue pas » quand c'est un merdier gigantesque. Et donc, il faut arriver à convaincre un maire, hein, que le préfet et le maire se mettent d'accord pour dire « allez, je vais essayer de faire un truc ». C'était mes endroits privilégiés. Certes, ce n'est pas pour faire durer les choses, mais pour que le temps que ça dure, on n'est pas obligé de vivre dans les ordures. On n'est pas obligé que les enfants n'aillent pas à l'école, on n'est pas obligé que ça brûle, on n'est pas...